sommes heureux de filer au cinéma ensemble. Bonjour Frédéric, bonjour, bonjour. Maxime. Alors, commençons gaiement. Vous avez vu tous les deux Le sens de la fête. Ah, absolument. Alors vas-y, démarre. Alors c'est moi qui démarre. Moi, j'ai... Écoutez, je vais vous faire une confidence, c'est que... Je n'ai pas vu. Non, je l'ai vu, je l'ai vu avant-hier. Et j'y allais en traînant un peu la patte en me disant ça va oui. encore être un de ces énièmes films bien oui. pensants, oui. où tout le monde s'aime, etc. Mais modulo Bacri, qui peut au moins nous offrir un élément un peu saillant. Eh bien, en vous réalité... Avez ri. D'abord, la salle était pleine, oui. voilà, ce qui prouve que le bouche à oreille fonctionne quand même pas oui. trop mal, parce que le film est sorti il y a 15 jours. Et j'ai ri. Voilà. J'ai ri et en même temps, il y a des moments dans ce film qui sont des moments assez fins, assez drôles, des moments qui vraiment montrent la réalité en fait, du cœur des personnages. Alors, en gros, pour raconter l'histoire vraiment en 20 secondes, c'est l'histoire d'un homme qui est joué par Bacri, qui possède une société qui organise des événements et notamment des mariages, et ils organisent le jour J, donc on suit l'évolution de cette journée, le mariage d'un type assez imbuvable et d'une jeune fille tout à fait mignonne. Et donc, on commence le matin du mariage et on termine juste après le mariage, le lendemain de la fête, avec tous les aléas que vous pouvez imaginer, depuis la viande périmée, jusqu'aux problèmes électriques, le mauvais chanteur, etc. En fait, c'est très classique. Unité de lieu, unité de temps. Exactement. C'est en réalité très simple. Le scénario tient presque dans un mouchoir de poche. Mais quelle poche ? Mais une grande poche. Et surtout, les personnages sont savoureux, sont saillants, sont justes. Et Bacri a un vrai rôle, ça je pense que... Alors, très rapidement, je pense que d'abord, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Les choses qui ne m'ont pas plu, c'est que Nakash et Tolenado, qui avaient fait donc, les films connus comme Samba, etc., et puis Les Intouchables, a une petite fixette sur les Noirs, parce que c'était Omar Sy à chaque fois, Omar là. Et puis là, le deuxième rôle est tenu par une jeune Africaine, qui est très laide d'ailleurs, ceci ah, étant non, dit. Ah non, je trouve pas mal. Oui, bon... Moi, je la trouve très laide, mais en plus de ça, évidemment, c'est la fille, alors c'est son assistante, donc elle a un rôle quand même, c'est le second rôle quasiment dans le film, et c'est une elle vient de banlieue, genre 93, donc on a le droit à toutes ces grossièretés, et son, le personnage n'est pas très plaisant, évidemment, elle tombe amoureuse de Lelouch, et c'est une petite gloire du métissage. Bon, ceci étant, c'est habituel chez Tolenado et Nakash, ceci étant, le film est très réussi, parce que non seulement... Alors, il y a deux choses qui m'ont plu aussi, deux petites choses qui sont... D'abord, il y a une défense de la petite entreprise par Bacri qui est remarquablement dite et faite. Et ça, je pense que c'est une chose intéressante. Deuxièmement, il y a McCain qui joue le rôle d'un ancien professeur de français et qui est là et qui reprend tout le monde sur les pléonasmes. Alors, ça fait plaisir de voir quand même que dans un film, on montre quelqu'un... Bon, là, ça devait être un peu comique, mais quand même, qui allume les gens qui parlent comme des cochons, comme on voit sans arrêt à la radio et la télé. Télévision. Ceci étant, donc, Bacri est époustouflant, parce que je pense qu'il est mieux que bien, il est époustouflant, parce qu'on lui donne un champ assez large et il est capable de le combler totalement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est émouvant, il y a des moments où il est sérieux, il y a des moments où il est comique. Et c'est une palette très grande et Bacri montre qu'il est un grand acteur. Je pense que le casting est remarquable. Lelouch joue le rôle du DJ, qui est une espèce de DJ ringard, etc. Il est très, très bon dans ce rôle. C'est vraiment une réussite. Il y a beaucoup de... On rit souvent. Le marié est bon aussi. Le marié est bon aussi. Ah, le marié est très bon dans aussi. Dans le rôle du sale type. Alors, on peut raconter cette anecdote. Oui. C'est-à-dire qu'il vient un moment voir le DJ et lui dit « Bon, alors au cours de la soirée, quand je vous ferai signe, hein, vous devrez dire que nous allons remercier un type formidable sans lequel cette soirée n'aurait pas pu exister. Un type Moi. Intègre, un type honnête, Moi. Un type droit. » Donc, on s'attend à ce qu'il parle de Bacri, bien entendu. Mais... Et le DJ lui dit « Oui, qui ?» Il dit « Pierre !» C'est qui Pierre ?»« C'est moi !» Voilà. Il y a des choses très longues. La modestie à l'état pur. Et du coup, il va en faire des tartines et des tartines. On rit souvent et on sourit souvent. C'est vrai. Bon, c'est un film, à mon avis, qui va crever l'écran. Le sens de la fête. Absolument. Blade Runner.
tous les deux. Ah, ça c'est différent, Blade Runner. Alors je commence parce que je crois que nous n'avons pas tout à fait la même. Absolument. Alors Blade Runner est une suite si on veut, mais on peut aller le voir sans avoir vu le premier Blade Runner qui était de Ridley Scott, qui date de 1982, si mes souvenirs sont bons, ça fait à peu près 35 ans. C'est l'histoire des Blade Runner, c'est-à-dire ceux qui traquaient les réplicantes, qui sont des espèces de clones. Bon, tout ça, allez voir le premier film. C'était un film absolument extraordinaire à l'époque. Mais c'est de la science-fiction. Absolument... Oui, totalement de la science-fiction, naturellement, qui est un sujet que j'aime beaucoup quand c'est bien traité. Là, donc, c'est une suite, sans être exactement une suite, parce qu'on peut le voir tout seul. Alors, les inconvénients, c'est que ça dure très longtemps, ça dure 2h43. Alors attention, 2h43, c'est très long, mais si vous n'aimez pas la science-fiction, c'est pas la peine d'y aller. Si vous aimez la science-fiction, donc, c'est long. Moi, j'ai aimé jusqu'au bout quand même, même s'il y a des moments, ça s'éternise un petit peu. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que Ridley Scott, donc, est producteur, là, a confié la réalisation à Villeneuve, celui qui avait fait Sicario en côte, qui avait fait Premier Contact sur les extraterrestres, qui est un film absolument magnifique. C'est un très grand metteur en scène canadien. Et il donne une atmosphère. Pour moi, tout le film, c'est une atmosphère en dehors du scénario, des effets spéciaux. Il n'exagère pas sur les effets spéciaux. C'est-à-dire que vous avez une bande-son, alors son, bruit, tout ce qu'on veut, qui par moments est très forte et désagréable, mais qui donne une atmosphère dans le film. Voilà, qui donne une atmosphère dans le film. En plus, vous avez du monochrome, vous avez des choses en orangé, des choses. C'est toujours très. Comment dire, très glauque aussi, parce que c'était à Los Angeles, très glauque, ou alors à Las Vegas, sous la neige. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je reconnais que c'est difficile de dire « allez le voir » parce que c'est très spécial. Mais j'ai beaucoup aimé Blade Runner, mais j'ai un petit... Et puis évidemment, Harrison Gosling est très bon dedans, hein, il ne fait plus ses petits pas de danse dans La La Land. Il est très sobre, et on voit que... Il était bon aussi dans La La Land, mais on voit que c'est un acteur maintenant qui a mûri et qui est capable de prendre beaucoup de rôles. Je pense que c'est un acteur qui a de l'avenir. Et puis Harrison Ford est encore... Qui jouait dans le premier, Harrison Ford, qui jouait, et là, c'est dans le troisième tiers du film, on le voit apparaître. Alors évidemment, il a vieilli, mais il est formidable dedans. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec le diagnostic de Frédéric. Je n'ai pas tellement aimé le film. Alors, il faut dire que je ne suis pas très science-fiction, hein, je l'avoue. Et puis en plus, il y a des éléments qui sont un petit peu datés, parce que par exemple, on parle de la faillite donc de l'entreprise qui fabriquait ces réplicants, hein, qui sont donc des clones d'humains, mais qui sont des esclaves, pour schématiser, qui auraient fait faillite en 2021. Donc évidemment, en 2017, ça paraît très difficile. J'ai oublié de dire, ça s'appelle 2049. Ça s'appelle 2049. Donc ça se passe en 2049. Évidemment, le point fort du film, c'est le plateau des acteurs qui est extraordinaire. Visuellement, ça fonctionne bien. Notamment, il y a toute la partie à Las Vegas avec des très, très beaux monochromes. On est dans une espèce d'hôtel abandonné. Enfin, les décors sont très travaillés. Quand on est aussi dans le QG de l'entreprise, donc la méchante entreprise qui fabrique des réplicants, là, il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes. Cependant, j'ai pas du tout apprécié la bande-son. Je trouve que le scénario est un petit peu faible, moyennant quoi on s'ennuie, et on s'ennuie surtout au début du film, ce qui est assez paradoxal parce que généralement on s'ennuie plutôt à la fin. Mmh. Et je dois dire que la première demi-heure du film est assez longuette. Mais il y a une morale, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y avait une morale où il n'y en avait pas. C'était très nietzschéen, c'était au-delà du bien et du mal. Oui. D'accord. Là, on ne le retrouve pas, ça. Là, on ne le retrouve pas. En réalité, la vraie question, c'est qu'on découvre que ces réplicants ont réussi à se reproduire naturellement, donc à faire des enfants. Et donc, la question, c'est de retrouver le petit enfant qui a maintenant grandi, qui serait né de ces réplicants. Les humains veulent empêcher... Il y a un secret, il ne faut pas en parler. Voilà, donc je n'en parle pas. Mais il y a, du coup, plus on avance, moins le film est ennuyeux. Je trouve que même la fin est très bonne. Et il y a des moments d'émotion, notamment de la part de l'acteur principal, qui, en fait, s'interroge sur lui-même jusqu'au bout, qui sont à la fois très justes et très touchants. Très bien. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que tu as aimé l'atmosphère, Las Vegas, partout, etc. Absolument. Et tout ça a été tourné en studio dans un pays de l'Est. Je ne sais pas, c'est pas la Hongrie, je crois. C'est incroyable. C'est pas du tout les États-Unis. Ouais. Incroyable. Alors, troisième film que nous avons vu, Frédéric et moi, sur lequel nous divergeons complètement, « Dieu n'est pas mort ». Oui, vous êtes au moins d'accord sur le diagnostic. Dieu n'est pas mort. J'ai donné mon avis très favorable mercredi dernier. Donc, nous attendons
Moi, j'ai un avis très défavorable parce que j'ai l'impression de voir un film comme on avait les films de propagande communiste, c'est-à-dire c'est bourré de mauvaise foi, c'est bourré de quel c'est jeu même de pas mots, de la, c'est, quel c'est, jeu de mots, de oui, mauvaise c'est, foi. C'est même pas de la naïveté, c'est de la mauvaise foi, c'est de la manipulation et par moments c'est stupide. Donc ils jouent contre eux pour défense de la chrétienté ou du catholicisme ou de la chrétienté aux États-Unis, qui peut-être dans certaines universités est en but à un certain nombre de choses. D'ailleurs, ils donnent à la fin qui défile trop rapidement un certain nombre de procès, etc. Ça aurait été intéressant, c'est de parler d'un procès comme ça et de ne pas faire ce mais film. Mais c'est parti d'une histoire vraie d'un étudiant discriminé parce qu'il dit « je suis catholique ». Oui, je non, mais pas que ça existait aux États-Unis. Ah ben ça, mais aux États-Unis, tout est totalement les lobbies, de toute façon, que ce soit les lobbies aussi chrétiens, les lobbies de n'importe quoi, les lobbies juifs, etc. C'est toujours extraordinaire, ça se termine toujours en justice, enfin c'est toujours poussé à l'extrême. Mais le film, pour moi, est complètement raté, parce que quand on sort de ça, de là, je ne veux pas donner les détails pour lesquels, mais parce que ça montrerait que ce film est absolument manipulateur et ridicule. Bon. Donc, je le déconseille fortement. Bon, alors vous avez... Un vrai désaccord, vous avez c'est rare dans l'émission. Vous avez deux visions. Moi, j'ai été très touchée par le film. Je suis beaucoup plus naïve que Frédéric, c'est sûr. C'est un film qui montre un étudiant qui se débat dans un monde qui lui est complètement contraire, qui montre le processus de découverte de la foi, cette jeune musulmane qui lutte, qui est devenue chrétienne et qui se fait virer de chez elle, et le héros du film, le deuxième héros, le professeur de philosophie, dont on finit par comprendre pourquoi il a perdu la foi, puisque tout simplement sa mère est morte quand il avait deux ans. C'est là justement la manipulation, c'est qu'au lieu de mettre quelqu'un qui est agnostique, ou en tout cas qui est athée, face à quelqu'un qui croit, et d'avoir un véritable débat, on met quelqu'un qui avait la foi, mais qui l'a perdue, parce que, etc., et qui est Dieu. Et alors, on a ce truc extraordinaire, Joshua, le catholique, qui, le chrétien en tout cas, qui ensuite lui dit « Oui, mais parce que tu es Dieu, tu haïs Dieu, tu es Dieu !» Et l'autre dit « Oui ». Et il dit « Alors, tu vois, comment tu peux haïr quelqu'un qui n'existe pas ?» Quelle magnifique façon de raisonner, c'est totalement ridicule, y compris quand on voit aussi, alors il y a effectivement l'histoire de la musulmane, bon, ça ok, très bien, et l'histoire du jeune asiatique qui est là, qui dit « Maintenant que tu nous as prouvé l'existence de Dieu, non mais arrêtons de dire n'importe quoi, quel est le catholique, quel est le chrétien, même le pape qui va vous dire « On a prouvé l'existence de Dieu, c'est une question de foi, il n'y a aucune preuve ». Donc ce film est farci de postulats comme ça, absolument ridicule, c'est une grosse manipulation. Allez le voir, chers auditeurs. Et faites-vous votre avis. Chers téléspectateurs, et pourquoi pas, envoyez-nous vos réactions. Absolument. Oui. Ça serait une très bonne idée. On n'ose pas faire un vote par SMS. Pour débattre entre... Trancher. Ce duel entre Frédéric et moi. Et moi, je vous conseille d'y aller en famille. Et il sera l'objet d'une grande discussion après le film. Et je vous signale que tous ceux qui parlent de Nietzsche emploient cet argument. Pourquoi Nietzsche serait battu contre Dieu s'il n'existait pas ? C'est une réponse habituelle à Nietzsche. On passe au confident royal que vous avez vu, Maxime, royale. Oui, alors cette histoire royale que avec j'appellerais Judith plutôt Dench. Une bouse royale. Triviale, parce qu'en réalité, c'était vraiment la déception de la semaine. C'est-à-dire que, vous voyez, j'allais voir avec des pieds de plomb Le sens de la fête qui m'a vraiment plu, et j'allais voir assez guilleret Le confident royal qui est clairement raté. Et à vrai dire, le film ne ment pas, puisque à peu près dans les 5 premières minutes, on a compris que c'est une bouse. Voilà. Donc on royal, peut... royal. Une bouse royale, c'est-à-dire de qualité supérieure. Alors en fait, ça commence... Le scénario du film est assez simple. En réalité, on a un jeune indien qui va être envoyé, qui travaille dans une prison, qui va être envoyé par son chef à la reine Victoria, qui pendant l'année de son jubilé va recevoir une pièce commémorative. Et donc sa mission, après 2 mois de bateau, va être simplement de tendre un plateau avec la pièce
à la reine Victoria et on va lui dire surtout pas de regard, pas de contact, etc. Il s'avère que lui triche un peu, hein, donc il la regarde, elle le trouve assez beau garçon. Bon, évidemment, aucune histoire d'amour d'aucune sorte entre les deux, mais il va devenir son ami. Et elle va insister pour le garder avec lui pendant un certain temps. Elle est très seule. Elle est très vieille, hein, puisqu'on est à la fin mal, de son règne. Alors, c'est inspiré d'une histoire qui est parfaitement réelle et qui est maintenant bien documentée. Alors, pourquoi ça ne m'a pas plu ? Première chose, Victoria, dès le début, est une grosse vache vulgaire. La première scène, en fait, c'est un banquet royal. On la voit manger avec des choses qui tombent de sa bouche. Enfin, c'est absolument épouvantable. Ça, déjà, bon, alors Judi Dench est très bonne, hein, mais ça, déjà, pour moi, est absolument scandaleux. Deuxièmement, le film s'éloigne. Et s'il l'a fait, vous pensez qu'il y a des relations comme quoi c'est vrai ou... Je ne pense pas. Ouais. J'ai du mal à croire que la reine, la reine d'Angleterre, qui règne sur la moitié du monde, mange comme un goret au point de recracher sa soupe. Et n'aurait pas accepté d'être filmée. Voilà. Au point de recracher sa soupe lors d'un déjeuner de gala où il y a seulement le roi de Grèce, l'empereur de Russie, etc. Oui. Ça n'a pas de sens. Mmh. Deuxièmement, il y a des erreurs historiques fondamentales. C'est-à-dire que le réalisateur est démocrate, donc si vous voulez. Ça va plus loin que ça. Ça vient plus loin que ça et j'y viens parce qu'il y a un agenda politique dans ce film. En réalité, le jeune Indien est présenté comme un type assez sympa, un vrai ami, etc. Bon, dans la réalité, ce jeune Indien est quand même quelqu'un qui... certes, a entretenu une relation d'amitié avec la reine Victoria. Alors, on voit dans le film qu'il la baratine un peu quand même, hein, puisqu'il lui explique que son père était un grand médecin. Or, il était pharmacien d'une prison. Il y a beaucoup de mensonges comme ça. Dans la vraie vie, ce monsieur s'est quand même fait offrir une terre en Inde, qui rapportait à peu près 600 roupies. Alors évidemment, ça paraît rien du tout, mais... Oui, mais ça, c'est banni, Madame Bettencourt. Voilà, non, mais pour vous donner un ordre de grandeur, un soldat indien qui, après 25 ans de service, recevait l'équivalent de 250 roupies par an. En seulement 2 ans de service, à 26 ans, hein, il a obtenu l'équivalent de 2 ans de rente annuelle. Ça, c'est... Et surtout, il y a quelque chose qui m'a fait bondir, c'est que, donc, elle apprend d'abord... Dans le film, on voit quand même qu'elle apprend, hein, qu'il lui raconte des mensonges, y compris sur l'histoire indienne, où il explique que les grandes révolutions indiennes, c'était en gros les gentils musulmans contre les autres. Mmh. Or, c'est l'inverse, hein, c'est les musulmans qui ont commencé les tueries. Mmh. Et donc, on apprend qu'il est musulman. On apprend ensuite qu'il est marié et elle lui demande d'amener sa femme lors de son prochain retour d'Inde. Oui. Il amène sa femme et là, surprise, voilà, c'est à ce moment-là que le film décroche complètement. On voit à la sortie du carrosse, deux femmes qui sortent en burqa noire, voilà, ce qui est évidemment absolument inimaginable dans l'Inde du 19e siècle. Anachronique. Évidemment, elles sont voilées, mais à l'indienne. Oui, oui. Et surtout, voilées en couleur, c'est-à-dire que la burqa noire... Bon, donc là... On a compris que le film n'est plus même inspiré de faits réels, mais complètement déconnecté. Oui. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même a dit qu'il s'agissait de faire résonner le film avec les questions contemporaines. Donc, on est sur une prise de parti évidente de manipulation qui consiste à montrer que finalement, tout le monde est égaux, qu'on est tous hyper sympas. Burqa, pas burqa, on est tous potes, on s'aime tous, c'est génial. D'ailleurs, Victoria trouve que ces femmes voilées sont magnifiques. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Alors, il y a quand même des moments qui sont assez touchants. Il y a des moments, notamment, où on voit Victoria qui est seule, qui se protège de la cour, avec une cour qui est... En fait, qui n'attend qu'une chose, hein, c'est sa mort, hein, puisqu'elle a déjà régné plus de 60 ans, avec son fils, avec les relations à la cour, et des moments de solitude en Écosse qui sont assez touchants. Mais plus le film avance, plus on sent le parti pris idéologique, et je dois dire qu'on décroche assez vite. Bien sûr. Que même, alors, je peux le recommander, ne serait-ce que pour prendre conscience de ce parti pris, mais on peut attendre que ça passe à la télévision et ne pas payer 11 euros pour aller voir ça. Oui. Mais très franchement, c'est décevant. Frédéric, tueur ? Tueur, oui, alors je serai assez rapide sur Tueur, puisque c'est un film belge. Ça ne veut pas dire que je suis rapide parce que c'est belge, mais c'est parce que c'est raté. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui démarre très bien. Les deux tiers du film sont superbes. Vous avez une bande-son extraordinaire. C'est l'histoire des tueurs fous du Brabant il y a une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, qui avait fait donc toute l'histoire de la presse, de tout ça. Ça, c'est un fait réel. Il part de là, puis ensuite, il y a un scénario et qui est construit. Et pourquoi
Pourquoi il tuait? Ah, bon, braquage, etc. Ah, mais oui. C'était des braqueurs fous, enfin Jean-Pierrot. Pour s'amuser. Jean-Pierrot le fou, voilà. D'accord. Donc on braquait, d'accord, mais on tuait. Enfin, okay. Bon. Et donc vous avez une bande-son qui est absolument remarquable. Vous avez une mise en scène qui est absolument remarquable, avec très beaux prises de vue, belles photos, etc., etc. Avec Olivier Gourmet, qui est le gourmet belge de notre cinéma. Donc c'est bien. Vous faites les deux tiers du film. Et puis tout d'un coup, on part sur une complexité, quelque chose de complètement aberrant. Alors, c'est une histoire à l'intérieur où vous avez un ministre qui est pourri, avec le procureur qui est pourri, avec le commissaire qui est pourri, l'adjointe du commissaire, elle s'en sort, etc. Et bon, Olivier Gourmet, qui est un truand qui s'était fait arrêter, alors on veut pas qu'il puisse se libérer pour montrer que c'est pas lui qui avait fait la tuerie, etc. Ça devient complètement ridicule, et malheureusement, ils ont gâché ce film avec le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes. D'accord. Donc n'allez pas le voir, parce que vous allez trouver ça très bien, et après vous serez totalement déçus. J'en profite pour donner deux, trois informations. Ceux qui ont la chance d'habiter Paris, je leur recommande d'aller voir un film qui s'appelle « Samedi soir ». Dimanche matin, de Karel Reiss, qui est un film de 1961. C'était au moment où vous aviez la nouvelle vague en France, et donc là-bas, ce qu'on appelait le free cinéma en Angleterre. C'est l'histoire d'un jeune ouvrier qui est interprété par Albert Finney. Remarquable interprétation, un très beau film en noir et blanc. Albert Finney qui aurait pu être... il a été un bon acteur, mais il aurait pu être presque le James Dean, si vous voulez, à l'époque. Beau garçon, mâchoire un peu carrée, etc. Qui est en fait un ouvrier, qui s'ennuie, qui se rebelle, et qui n'attend que le dimanche pour se pinter dans les pubs. Alors on voit effectivement tous les Anglais qui se pintent fortement, y compris les femmes, etc. Puisque c'était l'époque. Donc c'était assez révolutionnaire parce qu'il voulait pas... Non, ça n'a pas trop changé, mais il voulait montrer que la classe ouvrière n'était pas toujours ce qu'on montrait, etc. Donc lui, il est là, il attend le week-end pour aller à la pêche, c'est ce qu'il adore, coucher avec sa maîtresse qui est en fait une femme mariée. Donc le problème ensuite, elle va être enceinte, le problème qui se pose à l'époque des femmes enceintes. Donc c'est un film qui est très intéressant. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, il y a quelque chose sur le cinéma qui vient d'arriver. Donc, pour ne pas en parler, je vous demande d'aller voir sur internet www.lacinebox.com. www.lacinebox.com, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour ceux qui aiment les films. Très bien. C'est-à-dire que c'est un site internet Oui, mais vous verrez, ce qu'on appelle la Cinébox, c'est vous verrez, il y aura toutes les explications. Bon. C'est un peu compliqué et trop long pour expliquer ici. D'accord. Ben, la prochaine fois. La prochaine fois, peut-être. Moi, j'aimerais parler d'un dernier film très rapidement qui s'appelle Wind River. Wind, le vent. Wind, absolument. Parce que Wind, c'est tout remonter. C'est vrai. Wind. Alors, c'est un film qui est sorti il y a déjà plusieurs semaines, que j'ai vu il y a 15 jours, qui joue encore dans quelques salles. C'est un film très noir, je préviens d'emblée, parce que c'est une histoire de meurtre, évidemment. Alors, ça se passe aux États-Unis dans une réserve indienne. Et en réalité, on suit un personnage qui est en fait un chasseur payé par les eaux et forêts pour aller en gros chasser et tuer les pumas qui bouffent les animaux d'élevage. Et pendant une de ses tournées, il va trouver une jeune indienne qui s'est fait tuer, déchiquetée, donc dans la neige. On a des paysages absolument somptueux dans la neige, évidemment. Là arrive l'enquête policière que lui va mener avec une fille du FBI qui arrive, qui est la seule envoyée du FBI. Qui arrive, qui est la petite blondinette à talons hauts, donc qui arrive pour aller investiguer dans des montagnes où il fait moins 40, autant vous dire qu'elle va avoir besoin de l'aide de ce monsieur. Alors lui, c'est un crime qui résonne avec la disparition de sa propre fille qui est morte plusieurs années auparavant, et on va petit à petit suivre l'enquête dont je ne révèle pas l'issue, mais qui est vraiment intéressante, pour le coup, qu'on devine petit à petit, mais le scénario n'est pas trop téléphoné. Surtout, on est dans un univers vraiment de vase clos très intéressant, dans cette réserve indienne, avec des paysages à couper le souffle. Donc ça sort, si vous voulez, du contexte habituel, le gentil, le méchant, l'enquête policière, en général dans les bas-fonds à New York ou Los Angeles. Là, on est vraiment dans un contexte... On n'est même pas vraiment dans le Far West, parce qu'on est dans ces réserves africaines, dans ces réserves indiennes, où on voit ces gens dépités, qui ne savent pas quoi faire de leur existence, livrés à eux-mêmes. Donc c'est vraiment un portrait en creux de cette Amérique que j'ai trouvé très intéressant, avec une très très belle photographie, avec des moments quand même assez durs. On voit que la nature n'est pas l'ami des hommes dans ce film, et que les hommes ne sont pas toujours les amis des femmes.
Bon, eh bien, vous avez fait une très bonne récolte. Donc, je résume. Le sens de la fête. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Pour ma part, Dieu n'est pas mort. Et vous envoyez votre commentaire. D'ailleurs, un téléspectateur l'a fait pour Barbara, parce qu'il n'était pas content. Il m'a fait une réflexion très sympathique, mais il est allé voir Barbara et il a été déçu parce qu'il n'y avait pas assez de Barbara, trop de... C'est ce qu'on avait dit aussi. Mais je lui ai répondu qu'on avait bien dit tout cela. Qu'on aurait voulu plus de Barbara. Donc, chers téléspectateurs, il faut nous écouter parce que nous essayons de dire exactement la vérité. En tout cas, ce qu'on en pense avec sincérité. Ce qu'on en pense avec sincérité. La vérité en cinéma n'existe pas. Non, non, la vérité de ce qu'il y a dans le film. Quand c'est noir, quand c'est blanc, quand c'est... Nous essayons d'être au plus près que là, de la description du film. Parce que là, vous avez raison, ça prête à confusion, puisque ça s'appelle Barbara. Mais il ne présente pas un biopic. Si la personne s'attendait à voir un biopic de Barbara, ce n'est pas traité comme ça. Mais encore une fois, nous sommes très heureux d'avoir le retour de vos opinions, chers amis de TV Liberté. Et puis, donc, nous avons évoqué aussi, et on peut s'en passer, Le Confident Royal. Blade Runner qu'on peut aller voir. Et deux derniers films, Blade Runner et Wind River. Pour Blade Runner, il faut quand même aimer la science-fiction et pouvoir tenir 2h40. Voilà. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, chers amis de TV Liberté, cher Maxime et cher Frédéric. Merci. Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », nous avons un auteur qui s'appelle Grégoire Tonnat, que vous connaissez. Bonjour Grégoire. Bonjour. Qui est déjà venu nous présenter son, je crois que le premier petit livre pour lequel vous êtes venu, c'est votre petit quiz, le quiz de la Grande Guerre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quiz ? Grégoire. Alors un quiz, tout le monde sait ce que c'est qu'un quiz. Le principe en fait de cette collection, mais le principe de cette collection en fait, c'est de mettre, ce sont des petits livres d'ouverture sur des sujets historiques. Ce ne sont pas des livres d'histoire, je ne suis pas historien, même si j'ai la passion de l'histoire depuis toujours. L'idée c'est de rendre abordable, et pour le plus grand nombre, c'est l'ambition, un sujet historique, des grands sujets historiques. On a commencé avec la Grande Guerre, qui a été un plébiscite des lecteurs, qui a permis à la collection de se développer, et donc sous forme de questions et de réponses, offrir un petit tableau sur un sujet donné. Donc là, 100 questions, parce que c'est le centenaire de la Grande Guerre, 100 questions sur l'histoire de la Grande Guerre, à la fois avec des grandes données, mais à chaque fois avec ce souci de mettre à la portée du plus grand nombre. On va parler par exemple du nombre de morts français, environ 1 400 000, et on le ramène tout de suite au nombre de jours. Et vous avez du retour des élèves, parce qu'en fait, je trouve que c'est... Ça, c'est super. Oui. Ouais. Les élèves, en fait, pour les élèves, c'est... J'ai des lecteurs de 10 ans, donc des élèves de classe de CM2, qui viennent me voir soit sur des dédicaces, soit parce que la mairie ou la collectivité a décidé d'offrir ce livre, on s'en sert comme support pédagogique, donc ça ne peut pas nous faire plus plaisir. Et bien sûr, en fait, on voit qu'ils rentrent sur un sujet où d'habitude, ils n'iraient pas forcément. La Grande Guerre, c'est un sujet qui est très dur, qui est loin, qui est dur, qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Tout le monde n'est pas comme moi, passionné d'histoire, d'histoire de France ou d'histoire militaire. Mais pour autant, l'idée, c'est d'arriver à les intéresser et de leur dire, voilà. Et si on a éveillé un intérêt, allez plus loin, parce que derrière, il y a une sélection de livres, de films et puis de sites. Quand on parle de la Grande Guerre, il faut aller à Verdun, par exemple, ou aller sur les champs de bataille de la Somme. Verdun, et voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on va vous redonner des éléments clés, des repères, donner ou redonner, de manière très facile, de manière très courte, une question et sa réponse, un peu plus ou moins détaillée, mais le plus simple possible, pour faire rentrer les gens dans le sujet. Voilà. Je cite deux questions que je trouve comme ça et que je trouve passionnantes. C'est combien avons-nous en France de monuments aux morts ? 30 000 ! Environ 30 000. C'est énorme. Donc, à peu près, on peut dire à peu près autant qu'il y a de communes en France. Ouais. Mais ça veut dire aussi quelque chose, c'est que la guerre de 14, pour nous, Français, est la pire saignée que nous ayons connue dans notre histoire. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et principalement des gens du terroir, des hommes la moitié du terroir. Sur les environ 8 millions de mobilisés, la moitié, ce sont des gens, ce sont des paysans, bien sûr, qui viennent de la terre.
Alors, vous êtes venu là ce matin. Alors, d'autres titres que j'ai beaucoup aimé, La Marine, Versailles. Le Château de Versailles. Château de Versailles. Deux petits nouveaux, mais que vous ne trouvez que dans des lieux particuliers, Roland-Garros et Jeanne d'Arc, que l'on trouve à Rouen. À l'Historial, Jeanne d'Arc de Rouen, qui est un site qui a deux ans, qui est très récent, qui est vraiment super, tout à fait dans la modernité, et qui a été construit, qui est installé dans un des endroits où a lieu une partie du procès de condamnation de Jeanne d'Arc. Mmh. Voilà. Et vous venez ce matin pour 80 questions-réponses sur la police nationale. L'histoire de la police. Alors ça, c'est une belle idée parce que... Alors c'est vous qui l'avez eue ou on vous l'a demandé? Non, on nous l'a demandé. Vous l'avez demandé, ok. Ouais. C'est une très bonne idée parce qu'on a bien besoin de cette police, qu'elle est, je trouve, bien malmenée aujourd'hui. Ne serait-ce que... les dangers de mort quotidiens. Oui, j'ai mis à la fin du livre, effectivement, le nombre de morts. Le nombre de blessés en moyenne par an. Alors, le nombre de morts peut varier, ça dépend des années, évidemment. Ouais. Il y a environ, un peu moins de 6 000, environ là, 5 800 blessés par an. C'est énorme. Oui. Il y a plus, à mon avis, il y a plus de blessés dans la police que vous n'en avez dans l'armée actuellement. Ouais. Parce qu'ils sont en contact tous les jours. Et cette année, ou 2016, il y a eu 8 tués. Voilà, et puis avec des scènes, et certaines, on s'en souvient, notamment ce couple qui a été tué à son domicile, devant les yeux de son fils, couple qui a été égorgé, policiers, etc. Voilà. Bien sûr, oui, ce sont des gens qui risquent leur vie tous les jours. J'en ai rencontré, parce que quand je fais ce livre-là, évidemment, pour synthétiser en gros 300, 400 ans d'histoire, il faut lire beaucoup, c'est une chose, mais aussi j'ai demandé à la police nationale de rencontrer, d'aller, voilà. Donc j'ai passé un petit moment dans un commissariat de police dans les Hauts-de-Seine. Et puis, j'ai été dans les Yvelines, dans une caserne de CRS, et notamment avec une brigade de motards, en fait, qui m'a raconté leur quotidien. Ça fait, franchement, ça fait frémir, quoi. Et il y en a un qui est mort, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, qui a eu un accident, qui est mort. Voilà. Donc, Voilà. D'où vient le nom police? Ça, c'est très intéressant. Ben, en fait, il fallait commencer par ça, parce que, en fait... on utilise ce mot tous les jours, la police, appelle la police, voilà. En fait, donc ça vient du latin, le latin, je ne suis pas très bon, politie, tiae, qui lui-même vient d'un mot grec, en fait, qui tire sa racine de polis, la cité, et en fait, c'est l'art de gouverner la ville, l'art de gouverner la cité. Mais c'est la première question du livre, et elle me semblait évidente, c'est de dire, voilà, d'où vient ce terme. Voilà, parce que je pense que peu de gens savent d'où vient le mot. Ça, c'est... Oui, c'était une très bonne... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'a pas été une idée immédiate. Ça n'a pas été les premiers policiers s'appelaient les chevaliers du guet. Ça, c'est très joli. Absolument. Moyen-Âge, et c'est fondé par Saint-Louis. Saint-Louis, tout à fait. Saint-Louis en 1254. À Paris, et après, c'est étendu à d'autres villes qui sont effectivement gérées par le roi. Oui. Voilà. Alors, oui, mais ça veut dire qu'avant, on pouvait se faire étriper au coin des bois? C'est une bonne question. En fait, si on regarde sur l'histoire de la police apparaît où la nécessité d'avoir une force de sécurité qui assure la sécurité des biens et des personnes, c'est lié au développement des villes. Voilà. Oui. Et donc, à l'époque du Moyen-Âge, il y a deux grandes villes en France. Vous avez Paris. Parce que la ville, il y a de la richesse. Oui. Et puis derrière, donc c'est souvent, donc c'est plusieurs éléments. C'est de la richesse. Et puis de l'anonymat. Oui. Dans un village, vous n'est pas question de lever un petit doigt parce que... Que la grandeur et l'importance de la ville créent l'anonymat, et de ça, évidemment, apparaît la délinquance. Et c'est le développement des villes qui voit apparaître la nécessité, le besoin de faire apparaître un principe, un système de surveillance. Donc Saint-Louis avec le chevalier du guet, puis après, ça se développe, et c'est sous Louis XIV où on crée... Avant, ce sont les bandes armées qui dépouillent les voyageurs entre deux villes. Ça, c'est autre chose. C'est le problème des campagnes, effectivement. Mais là, on parle des villes parce que la police, vous le savez, contrairement aux gendarmes, c'est l'histoire aussi qui explique les gendarmes, c'est la campagne ou zone périurbaine aujourd'hui. Oui, oui. Et la police, ce sont les zones urbaines. Voilà. Alors, c'était très, très amusant. Vous nous évoquez, bien sûr, les grands héros avec l'araignée. D'abord, et Sartine, voilà,
Ancêtre du préfet de police actuel. L'ancêtre du préfet de police. Mais vous nous donnez tous les termes qui, et c'est très imagé, pour signifier les délinquants. Ah oui. Oui, alors là, il y a... Oui, alors il y en a, je ne vais pas tous les citer, mais effectivement. Non. Oui, on s'est amusé, je me suis amusé à lister d'une époque assez reculée les différents termes qui définissent à la fois les délinquants. Vous avez la même chose pour les policiers. Hein, oui. Donc, flic, d'ailleurs, d'où vient le terme flic? Oui. Pareil, c'est du latin, flige, figaer. Oui, figaer. Figaer. Oui. Frapper, en fait, qui veut dire frapper. Oui. Donc voilà. Donc oui, on s'est amusé à faire à la fois pour les policiers et à la fois pour les délinquants. Une espèce d'inventaire, il n'est pas exhaustif, mais les mots les plus connus. Alors, vous expliquez pourquoi le panier à salade? D'où vient le terme panier à salade? Oui, tout à fait. En fait, à l'origine, les véhicules hippomobiles qui servaient à transporter les délinquants, les prisonniers, avaient des fenêtres grillagées. C'est ça. Et voilà, et ça donnait, parce qu'ils étaient très secoués sur les pavés parisiens, et ça donnait à penser, en fait, au principe du panier à salade pour secouer. Et donc voilà, par cette image-là, on a donné ce nom-là. Voilà. Ça, c'est très amusant. Et puis alors, vous expliquez l'expression « se mettre à table ». On ne savait pas que... Alors, on pense que, parce que vous savez l'origine de oui. ce... On sait, voilà. Donc, oui. L'idée, c'est que au 19e siècle, quand on avait arrêté un suspect, on ne lui donnait pas à manger. Jusqu'à ce qu'il ait avoué, parlé, etc. Oui. Et donc, effectivement, à partir du moment où il a parlé, on peut lui donner à manger, donc il peut se mettre à table. Ça viendrait de là. Voilà. Oui. Alors, vous évoquez aussi beaucoup les progrès de la police scientifique, et qui sont très récents. Alors, il faut dire une chose de manière un peu générique. Mmh. L'histoire de la police française, elle a toujours été à la pointe de son métier, et elle a toutes les innovations, les inventions, les services qui ont pu être mis en place, on peut en citer, c'est des choses qui ont été récupérées par les polices du monde entier. C'est très important, ça m'a semblé très... Cocorico. Mais on peut le dire, bien sûr. Mais en plus, derrière, vous savez, une police qui est développée et qui est mature, elle est au service aussi d'un État qui est développé et qui est mature. Plus ça avance, on peut toujours dire beaucoup de choses sur la police, bien sûr. Elle est faite d'hommes aussi, et de femmes, donc voilà. Mais, il faut le rappeler, le principe de l'identité judiciaire, avant... jusqu'au règne de Louis-Philippe, quand vous étiez délinquant, condamné, on appliquait sur votre peau ce qu'on appelle une flétrissure, c'est-à-dire que vous étiez marqué au fer rouge, vous étiez un voleur, etc. Mm-hmm. Ça, c'est supprimé sous Louis-Philippe. Et puis après, il y a le principe du casier judiciaire. Puis après vient l'identification judiciaire avec des gens comme Bertillon ou comme le professeur Locard qui développent la police technique, la police scientifique et tous les systèmes, effectivement, pour essayer. Et maintenant, vous avez vos indices... L'ADN. Donc, on va très, très loin, bien sûr. La police technique et scientifique, dont le siège est basé à Lyon, est partagé, d'ailleurs, c'est un service qui est très important, qui est mutualisé aussi bien et qui sert aussi bien la police que la gendarmerie, d'ailleurs. Voilà. Mais toutes ces inventions sont des inventions qui viennent, en fait, de la police française. Voilà. Et ça me semblait important dans des choses moins connues. Par exemple, les premiers secours en montagne, ce ne sont pas les gendarmes. Ah oui. Ce sont les policiers qui inventent notamment le principe, avec les hélicoptères, de l'élitreuillage. Ça paraît idiot, mais à un moment donné, il faut bien avoir l'idée. Ce sont des policiers, donc des CRS, de haute montagne, du peloton de haute montagne. Les systèmes de brancards, Piguilhem, en fait, qui sont les brancards qui permettent, quand vous avez un accident sur une piste de ski, de vous stabiliser dans une espèce de coquille. Ça, c'est une invention des CRS, donc de la police. Et vous en avez plein d'autres comme ça au fil du temps. Mais les brigades canines, la brigade fluviale. Alors, on doit beaucoup à un préfet de police dont le nom est un petit peu connu, c'est le préfet Lépine. Le préfet Lépine, c'est un inventeur fou. Il est resté plus d'environ 18 ans préfet de police, donc c'est inégalé sur une fonction comme ça. Et il met en place énormément de choses. Il met en place le principe des sens uniques. Donc, les brigades canines, la brigade fluviale. Enfin, c'est un inventeur fou. C'est un génie, absolument. Et tout ça, c'est au bénéfice, en fait, au final, de la ville, de la cité, d'améliorer le confort. Le passage piéton, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a énormément d'accidents de la circulation. Les gens traversent n'importe comment, la circulation se densifie, et voilà. Et donc, à un moment, lui, c'est pragmatique. Il dit, attendez, on va faire un passage clouté. Voilà. Il fallait y penser.
Alors, il y a d'autres expressions. Quand vous parlez d'armes liquides, et en réalité, c'est le moment où les bandits attaquaient au vitriol. Alors ça c'est a été une époque. Quelque chose qui est, entre guillemets, à la mode, effectivement, entre le règlement de compte, dans le cadre notamment aussi de la prostitution, et aussi dans le cadre d'affaires de mœurs. C'est encore employé beaucoup aujourd'hui. Non. Le vitriol, c'est plutôt le 19e siècle. Oui. Effectivement, on défigurait une femme comme ça. Je ne fais pas trop de dessins, mais Non, c'est quelque chose qui a été utilisé dans la deuxième partie du 19e siècle. C'est ça. Okay. Dieu merci, enfin, ça peut arriver, hein, mais Dieu merci, c'est moins à la mode. Enfin, il y a d'autres réjouissances aujourd'hui, mais bon. Et vous nous donnez des statistiques extrêmement intéressantes, des chiffres de traitement de gangsters, d'affaires. Ouais. 70% de la délinquance est traitée par la police nationale, et 80% de tout ce qui est criminalité organisée est traité et géré par la police nationale. Alors, c'est pas par rapport à la gendarmerie, mais ça peut se comprendre puisque l'essentiel de la délinquance est quand même en ville plus qu'en campagne, et les gendarmes, eux, comme chacun, d'ailleurs non, chacun ne sait pas en fait, hein, le gendarme intervient en zone campagne ou périurbaine, et le policier, lui, intervient en zone urbaine des villes de plus, en général, 10 000 habitants. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça que ces chiffres sont très importants pour la police nationale. Voilà. Alors, la situation a quand même évolué de façon assez tragique. Entre le policier avec son képi et son joli vélo qu'on appelle une hirondelle. Parce qu'il est léger. Invention du préfet Lépine. Et le policier d'aujourd'hui en tenue Robocop. Il s'adapte à la situation. Qui est complètement protégé parce que le danger va croissant. Alors, la tenue Robocop, c'est pour les gens qui s'occupent des maintiens de l'ordre. Donc, c'est plutôt les compagnies de CRS, en général. Voilà. On ne patrouille pas en Robocop. D'abord, c'est lourd. Oui, mais on les voit dans les... Ils sont obligés parce que... Une manifestation, il y a ce qu'on appelle les barrières Vauban. J'ai appris grâce à vous que toutes ces barrières s'appellent Vauban. De sécurité pour canaliser les manifestants. Du célèbre architecte de Louis XIV. Mais ils sont dans ces tenues-là. Bien sûr. Ils s'adaptent parce que la violence augmente et qu'il faut protéger les hommes parce qu'on l'a dit en préambule, 5 800 blessés environ par an. Donc, il faut protéger ces gens-là. Merci Grégoire Thomas. Il en coûte 6,90 €. Ce qui n'est quand même pas très cher. Et celui sur la Grande Guerre, pour plus de questions, 4,90 €. Achetez ces petits livres et vous en serez très heureux parce que c'est très enrichissant. Et je crois en effet que ça peut ouvrir énormément la curiosité des enfants. Ce petit format est délicieux. Et donc, c'est juste bien approprié. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie Grégoire, d'avoir invité une fois de plus. Thomas et d'autres encore. Nous allons lire Jeanne d'Arc. Merci beaucoup. Au revoir Grégoire Thomas. Au revoir chers téléspectateurs. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique Défense de patrimoine, nous avons invité Alain Texier. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Parce qu'Alain Texier défend l'idée royale. La République vous déçoit, eh bien essayez le roi. Voilà notre démarche ce matin. Alain Texier, vous êtes docteur en droit, maître de conférences honoraires, et vous êtes le fondateur de la charte de Fontevraud, que vous pouvez tous trouver, chers amis de TV Liberté, sur Internet. Et cette charte de Fontevraud m'a infiniment séduite pour des tas de raisons. Pouvez-vous nous dire pourquoi, il y a 20 ans, d'abord comment vous êtes devenu royaliste, finalement, et pourquoi vous avez créé cette charte ? Alors, je vous remercie de me rajeunir, mais la charte de Fontevraud a été fondée le 25 août 1988. Ça fait donc, en fait, plus, 30 ans. Oui, j'ai un bac philo, mais ça doit faire ça. Alors, en fait, je suis devenu royaliste à l'âge de 20 ans, ce qui est tard. La plupart du temps, les gens deviennent royalistes à 14-15 ans. Oui. Quand ils entendent dire beaucoup de mal, toutes les turpitudes du roi Louis XV en particulier, ça les fascine. Ils cherchent un peu et ils deviennent royalistes. Alors moi, au début, j'étais contre-révolutionnaire. Mm-hmm. Et un ami m'a dit, tu ne peux pas te contenter d'être comte, il faut
faut que tu sois pour. Et je suis devenu royaliste. Et après, la grande affaire de ma vie, ça a été de m'apercevoir que nous étions nombreux, mais que nous étions très divisés. Oui. Vous avez raison de dire, Anne, essayez le roi. J'ai bien noté que vous n'avez pas dit essayez les rois. Oui. En effet, il n'y a qu'un roi. Oui. À vrai dire, pour nous, royalistes, providentialistes, ce roi, c'est Dieu. Et le roi, c'est le lieutenant de Dieu sur terre. Alors, à partir de là, les choses sont beaucoup plus simples. Tout est recalé, tout est bien recasé. Tout à fait. Vous voyez, chers auditeurs, un seul Dieu, un seul roi, Dieu, et le roi est son lieutenant. Alors, qu'est-ce que signifie ce mot providentialiste, qui est un très beau mot ? Alors, eh bien, nous ne l'avons pas emprunté à l'ordre monastique de Fontevraud, fondé par le bienheureux Robert d'Arbrissel. On n'a pas emprunté le nom d'un ordre monastique. À ce propos, sur le blog, il faut écrire à LT, parce que si vous écrivez AUD, vous tombez sur un site vitivinicole intéressant aussi. Eh bien, je me suis aperçu que finalement, tout était dans notre Père. Dans notre Père, il y a deux commandements parmi d'autres. Il y a le pardon des offenses. Donc, on arrête de dire à un prince qu'il est franc-maçon et à l'autre qu'il est d'origine étrangère. D'ailleurs, il ne l'est peut-être pas. Le pardon des offenses et la soumission à la volonté divine. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et non la mienne. Oui. Et non la mienne, parce que concrètement, c'est ça. On peut dire vive tel roi, mais on ne sait pas, ce n'est pas possible, il faut être cohérent, le trône fait partie de la terre. Alors, puisque vous êtes gens concrets, quel est le programme politique de ce roi qui reviendra sur la terre ? Ça va me permettre de répondre à une question que j'ai peut-être un peu zappée, c'est la notion de providentialisme. En fait, d'une part, on ne sait pas quand le roi va venir. Donc moi, je veux bien qu'on fasse un projet. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est un tout petit peu républicain. Parce que si on fait un projet maintenant, dans deux siècles, ou même dans 15 jours, la vie va tellement vite. Néanmoins, vous avez tout à fait raison, nous avons un projet. Ce projet, ce programme, c'est l'Évangile. Alors, ça peut vous paraître un peu court, mais encore une fois, le roi, moi, j'ai un charisme, peut-être. C'est celui de faire confiance à la Providence. Mais je ne suis pas un économiste, je ne suis pas... un peu cultivé, c'est certain. Je ne suis pas un géographe, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un mathématicien. À vrai dire, moi, je ne suis pas un républicain. Donc, je ne sais pas tout faire. Donc, je verrai le moment venu, ou d'autres verront le moment venu. Mais pour répondre de façon très complète à votre question, l'Évangile, déjà, entre nous, soit dit, vous savez, il y a du boulot. Hein. Oui, c'est sûr. Oui. Absolument. Alors, quels sont aussi vos engagements d'honneur ? C'est très beau, cette phrase. Eh bien, mes engagements d'honneur consistent à essayer de sauver mon âme. Ça, c'est important pour moi. Et puis après, d'essayer de sauver mon pays. C'est dans cet ordre. Alors, sauver mon âme parce que je suis catholique, parce que j'ai beaucoup reçu. Dieu m'a fait des grâces, mais y compris aujourd'hui. Tout à l'heure, dans le métro, j'avais le nez sur mon téléphone et je vois par la fenêtre qu'il fallait que je descende à la station, sinon je l'aurais raté. Et si je l'avais raté en le prenant, c'était 10 minutes après. Et j'avais tellement hâte de vous voir que 10 minutes après, c'est long. Engagement d'honneur. Donc d'abord, sauver mon âme, après sauver le pays. On a chacun son charisme, le mien, parce que j'ai un charisme, je ne suis pas républicain, mais je ne suis pas non plus complètement aveugle. Mon charisme à moi, c'est de dire aux gens, mais essayez donc de faire confiance à Dieu. Mais Dieu est partout dans votre vie, il n'y est jamais assez. Il est évident que le sacré a complètement disparu de notre bonne République, dont le seul objectif, en réalité, c'est ni le bien commun, mais c'est surtout lutter contre le sacré. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que la monarchie serait intéressante, parce qu'elle permettrait aux gens d'avoir beaucoup plus de facilité pour faire leur salut. Parce que vous comprenez, bon, je suis un homme, j'ai donc des tentations qui sont spécifiques, mais c'est pas facile quand même de se promener dans la rue, de regarder de ci, de là, autour de nous. Imaginez qu'on... Oh, ça sera mieux quand les femmes seront voilées. Vous n'aurez plus aucune tentation. Au lieu de tomber. Oui, ben ça, c'est pas sûr. Et c'est... Remplacez les affiches licencieuses par l'entrée d'un couvent. Bon, n'allumez pas la télé, allumez le tabernacle. C'est quand même vraiment bien tout ça. C'est magnifique de vous entendre. Alors, vous organisez beaucoup de choses. Vous organisez des pèlerinages, vous organisez des rassemblements. Et le prochain rassemblement s'appelle la Biennale Blanche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Biennale ? Alors, le premier chronologiquement des rassemblements qui a été fondé, c'est le chapitre, encore un vocabulaire monastique, le chapitre de la charte de Fontevraud, que nous tenons à Fontevraud, dans l'abbaye ou à proximité, et nous réunissons tous les royalistes en leur demandant simplement d'obéir à la charte de Fontevraud. Pas de discussion dynastique chez nous, et puis pas de non-soumission à la volonté divine. Quant à la biennale, nous allons faire la cinquième. Il y a des royalistes athées ? Existe ?
Ah oui, ah, ça c'est la question que j'aurais évité, que j'aurais été heureux que vous évitassiez. Bon. Donc, oui, enfin... Alors revenons en arrière. Non, mais ça ne peut pas. C'est vrai qu'un royaliste, c'est d'abord un chrétien. C'est d'abord un chrétien. Alors c'est un peu la limite de la charte de Fontevraud, oui. Je ne m'adresse qu'aux chrétiens. Mais je pense que c'est... Je suis désolée, c'est une bonne question. Mais c'est une très bonne question. Mais bon, à la limite, c'est pourquoi sauver mon âme d'abord et sauver la France après. D'accord. Tout est lié. D'accord. Biennale, tous les deux ans, c'est la cinquième. Donc, 5 fois le 10, biennale, on a expliqué. Pourquoi blanc? Parce que j'aurais voulu faire disparaître de l'esprit des gens, mais bon, ils ne connaissent plus, le concept de terreur blanche. La terreur blanche qui a été les massacres commis par les royalistes après l'échec du retour des 100 jours de Napoléon Ier. Oui. Bon, moi qui suis juriste, qui a un tout petit brin de culture, je ne voulais pas qu'on m'envoie toujours terreur blanche, alors je fais, oui, je couvre. C'est très bien parce qu'en fait, vous réappropriez la blancheur. Les républicains ont apposé l'adjectif blanc à terreur pour tout bien discréditer les royalistes. Enfin, ils sont quand même très mal placés pour dire que les royalistes sont vraiment très mal comportés parce qu'il faudrait plutôt qu'ils regardent... la poutre qu'ils ont dans leur œil. Mais, alors, cette peut-être biennale... Oui. Encore un mot, peut-être, mais c'est ce que vous vouliez me dire sur la biennale blanche. Il faudra tâcher de dire un mot sur le logo après de la biennale blanche. Oui, absolument, qui apparaît derrière vous. C'est parfait. Mais cette biennale blanche, c'est une réunion, c'est une fête où vous invitez, donc, vous l'avez dit, tous les mouvements, on va les citer, donc, bien évidemment, les légitimistes, les orléanistes... Oui. Les survivantistes, les providentialistes, vous-même les providentialistes, et donc parmi les survivantistes, le professeur Lucotte. Et il y a beaucoup d'écrivains. Il y a un certain nombre d'écrivains qui viennent signer. On ne va pas tous les citer, je crois que le plus simple, c'est de renvoyer à la charte de Fontevraud, au blog de la charte, et vous aurez tous les noms. Alors vous aurez en effet des écrivains, et vous aurez des ouvrages d'écrivains. Parce qu'il est important, la biennale blanche, c'est la forte exposition du royalisme. Voilà. Donc les gens viennent pour dire aux gens aussi qui passent, vous êtes vraiment très nombreux. Parce que jusque-là, on dit, je vais chez les légitimistes, je vais chez les orléanistes. Et bien là, vous dites, je vais chez les royalistes. Oui. Ça change le sens quand bien même. Sûr. Même pas, je vais chez les providentialistes. Bien vous sûr. Allez chez les royalistes. On est extrêmement nombreux, mais malheureusement, extrêmement divisés. Oui. Non, c'est vraiment une démarche qui est très, très appréciable et que j'admire. Alors, cette réunion... Alors, il y a aussi... vous serez très intéressé, beaucoup de bijoux, parce que les bijoux royalistes sont très beaux. Il y a les bijoux de la reine Aliénor. Et puis, c'est un signe de retrouvailles, en fait. Quand vous avez porté quand vous partez une fleur de lys en bijoux, que vous soyez homme ou femme, c'est tout de même un signe de ralliement. Alors, par respect pour vos téléspectateurs, mon épouse m'a dit « Est-ce que tu mets ta cravate fleur de lys ?» Et je sais bien que votre émission ne s'adresse pas qu'aux royalistes, elle s'adresse à tous les gens de bonne volonté. Il dit « Non, pas de cravate fleur de lys. » Mais je n'ai pas besoin d'une cravate pour avoir une fleur de lys. Je l'ai dans le cœur. Vous l'avez dans le cœur, absolument. Et cette fête a lieu à l'Asiem, le 21 octobre, 6 rue Albert de l'Apparan, et c'est toute l'après-midi. C'est toute la journée. Toute la journée. Dans les locaux de ce qui a été un patronage, Notre-Dame du Bon Conseil. Oui. Il n'est peut-être pas inintéressant de rappeler que Notre-Dame de Pontmain a été sculptée, je crois, enfin on a repris ses traits pour faire la statue de Notre-Dame de Bon Conseil qui est dans le jardin. Alors vous allez avoir des coups de téléphone qui vont vous dire que ce n'est pas vrai. Je l'ai vu quelque part. Bon, on voit beaucoup de choses quelque part. Donc effectivement, la dévotion mariale est importante. C'est d'ailleurs la Sainte Vierge qui est la sainte patronne de l'ordre de Fontevraud. On a emprunté ça aux Fontevristes. Il y a un saint patron qui est Saint Jean-Baptiste. Allez, une démarche un peu orgueilleuse. Pourquoi Saint Jean-Baptiste? Parce que c'est le précurseur. Et que nous, Fontevristes, nous sommes les précurseurs. Le roi reviendra lorsque les royalistes se conduiront en chrétiens. Et puis alors après, et on va tomber bien bas, mais Marie-Madeleine me le pardonnera. Marie-Madeleine, encore un emprunt à l'ordre monastique, Marie-Madeleine est la sainte patronne des responsables de la charte de Fontevraud. Alors écoutez, en priant la Vierge, sainte Marie-Madeleine, saint Jean-Baptiste, comment voulez-vous qu'on ne réussisse pas? Absolument. C'est une très belle phrase de conclusion, Alain Texier. En donnant l'adresse de l'Asiem, si vous l'avez. Absolument. 6 rue Albert de l'Apparent, dans le 7e arrondissement. C'est moi qui vous remercie, Anne. Merci beaucoup et rendons-nous à cette belle biennale blanche. Merci beaucoup, Alain Texier. Merci. Amis téléspectateurs, à très vite.